Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette petite vidéo de résultats du concours crossover Legend of Keeper Pirate Quartermaster. Alors vous avez été très nombreux à participer au concours, ça m'a fait très plaisir, il y a eu plein de noms avec des RP, etc. Le choix était difficile. Sans plus de suspense, je vais tout de suite vous afficher les résultats. Hop là, donc voilà les résultats pour les deux votes. Donc les gladiateurs se sont exprimés et ont voté. Alors pour la pirate, comme vous pouvez le voir, ça a été assez écrasant, c'est Miss Laura Barlow qui remporte la victoire. Pour l'élémentaire de terre, ça a été un petit peu plus tendu. Jusqu'au bout, il y a eu choix pour me faire prononcer Grumble Berkark. Et donc c'est lui qui gagne, donc on va vraiment devoir faire une série avec Grumble Berkark. C'est bien joué, merci. Merci à celui qui l'a proposé, et bah du coup bravo hein. Donc du coup c'est Gaelden qui remporte la clé de Legend of Keeper pour Grumble Berkark, et Wirodzan qui remporte la clé de Pirate Quartermaster pour Miss Laura Barlow. Et bravo à tous les deux, et merci tout le monde pour votre participation, c'était franchement cool. Donc vous pouvez me... enfin, ceux que j'ai sur Discord, Gaelden, je sais que j'ai sur Discord, donc je vais te contacter directement là pour te passer la clé. Oui, Rodzan, je ne crois pas t'avoir ni sur Discord ni sur Twitter, donc je te laisserai mettre un commentaire là où tu peux me contacter, ou alors passe sur le Discord ou sur Twitter, enfin le canal qui te, ou Mastodon, le canal qui te sied le plus, et ben on va se débrouiller pour t'envoyer cette petite clé. En tout cas, bravo à tous les deux, et du coup, et ben on va pouvoir parler de la future série, donc sur Wildermess. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai préparé un petit peu l'équipe déjà, donc on va se lancer dans une série 5 chapitres Legacy, et on va donc jouer avec Laura Barlow, donc notre pirate, avec son petit crochet, qui vient donc de l'héritage, hein, ce sont uniquement des persos héritage. Elle est un petit peu infectée par la Gorgonoïde, hein, d'où son cache-œil. Et c'est une mystique, donc qui va pouvoir nous accompagner pendant cette aventure, qui est donc c'est une aventure totalement aléatoire. Il n'y a pas de scénario, ça va être totalement généré par le jeu. Ce sera la surprise, qui seront les ennemis principaux, etc. Tout ça sera la surprise. On a également Grumble Berkark. Grumble Berkark, enfin je me passe un post-it, qui donc est en phase de transformation en élémentaire, comme vous pouvez le constater. Donc c'est un chasseur de son côté, il a été infecté par les gemmes, donc les cristallins, et il est donc en train de se transformer petit à petit. On va donc l'accompagner dans sa transformation. De son côté, ce sera un chasseur de niveau 2, il nous rejoint donc avec deux compétences pour pouvoir être un petit peu plus badass. Et bien sûr, on a besoin d'un troisième perso héritage, et on ne pouvait pas s'en passer. On va donc prendre Pisse-Pousse. Avec ses ailes de corbeau et son canard, hein, très très connu des usagers du Discord. Il y a même un emoji assez couleur sur le Discord, donc je ne pouvais pas la prendre quand j'ai dû choisir la troisième. Ce sera donc Pisse-Pousse Amine qui nous accompagnera pour cette aventure. Donc comme on commence avec des persos un peu élevés, on va commencer avec un niveau 10 de calamité. Par contre, il y a un petit changement de programme, puisque entre le moment où j'ai fait j'ai lancé le concours et maintenant, il y a 3-4 jours, les développeurs de Wildermess ont annoncé en fait qu'ils sortaient la 1.0 pour le 15 juin. Du coup, je me suis dit que c'était un petit peu dommage de lancer une série maintenant, alors qu'ils travaillaient à fond sur le truc et qu'il y avait quand même quelques petites nouveautés assez sympathiques qui allaient sortir. Donc on ne commencera cette aventure que le 15 juin, avec la 1.0 tout simplement. Hein. On va en profiter pour se lancer à ce moment-là. Donc ça reste prévu bien sûr, hein, je ne vais pas remettre ça derrière. Mais on va en attendant avancer sur quelques autres jeux. J'ai quelques autres petits trucs en réserve pour vous, qui j'espère vous plairont. En tout cas, voilà pour les résultats du concours. Merci à tous les participants, bravo aux deux gagnants. Je vais m'occuper de vous contacter pour les clés dès que cette vidéo sera parue. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi, et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.